Hello, 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 mes colons. Coucou, mes girl power. Aujourd'hui, je vais me coiffer. Alors, je me prépare pour un mariage, donc je vais me coiffer avant de partir. Comme ça, ce sera fait. J'aurai plus à penser à ma coiffure. Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais me faire des tresses. Donc voilà, j'ai déjà commencé par séparer mes cheveux en trois parts. Voilà. Est-ce que j'ai bien fondu ce truc? J'ai l'impression que non. Parti à tout de suite peut-être ou à plus tard. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait des sections. J'ai voulu faire tout devant. Au départ, je voulais faire tout devant les tresses. Les tresses tout devant. Sauf que bah, j'ai pas réussi à les faire. Ça fait tellement longtemps. Du coup, j'ai fait que ces trois-là. Bon, en fait, c'est pas que j'ai pas réussi à les faire puisque j'ai réussi à faire ces trois-là, mais en fait, ça prenait trop de temps et j'avais tellement de choses à faire pour les préparatifs de ce mariage que j'ai pas pu prendre tout ce temps. Du coup, j'ai décidé de faire des sections. Je vais me faire des petits chignons et puis vous allez voir. Donc, je commence par les faire. Hop, je vais commencer par derrière. Ensuite, je vais humidifier mes cheveux et mettre du gel. À l'air de ce petit mélange, de l'aloe vera et d'huile, je vais. Voilà, ça les hydrate et ça les démêle sans les casser. Hydrate et démêle sans casser. Pour ma coiffure, je vais utiliser ce gel-là. C'est la première fois que je l'utilise. Gel à la menthe. Bon, la menthe, je la mets un peu partout, dans la plupart de mes préparations, même pour les cheveux. Ça sent bon. On la déture comme ça. Hop.
Maintenant, je vais faire pareil ici et ici. À tout de suite. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai fait une espèce de twist ici. Je voulais faire un 3 chignons, mais ça n'a pas donné. Bon, du coup, j'ai changé. J'ai décidé de faire plutôt une twist ici. Et là, j'ai mes mèches qui sont déjà préparées. Comme ça. Bon, j'avais déjà préparé mes mèches comme ça, pour ça. Ça, je vais mettre derrière, c'est sûr. Je vais le mettre ici. Je vais mettre les deux autres là. Donc, comme ça. Voilà. Hop. Je mets l'autre par-dessus. Et voilà. Ensuite, je vais faire mon chignon. Donc, ça, je pense que je vais. Bon, le truc avec moi, c'est que je supporte pas les coiffes, donc je fais de façon à vraiment ne pas avoir à mettre trop de coiffes ensuite. Et ça, je vais la mettre comme ça. Je vais déjà mettre une coiffe ici. Non, je mets les coiffes et je reviens. Alors voilà, j'ai terminé, ça donne ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi j'aime bien. Je ferai une meilleure vidéo plus tard. Là, je suis dans ma salle de bain, l'éclairage n'est pas vraiment top. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien.
Après, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Oh, je déteste les coiffes, mais je suis obligée d'en mettre plein, plein, plein. Attaché, ça va faire l'affaire, je pense. Mais quand même, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas sentir la coiffe sur mon cuir chevelu, sinon je vais arracher un peu le truc. Du coup, je suis plutôt contente. Voilà. Je suis contente. Maintenant, je vais attacher. Je supporte pas le foulard, donc je vais pas attacher très longtemps, je pense. Je ne supporte pas le foulard. Hein. Et d'ailleurs, je sais même pas si ce chignon va tenir jusqu'au mariage, parce que c'est des trucs que généralement je ne supporte pas. Le mariage, c'est demain, c'est même pas aujourd'hui où je peux me dire que bon, après le mariage, je l'arrache rapidement. Je ne supporte pas. Je vais mettre mon chapeau de protection et ensuite je vais aller me doucher. Et je vous referai une petite photo une fois que le Japon est trop petit. Donc il me faut quelque chose de plus grand. Je prends celui-là. J'espère qu'il couvre bien. Même pas. Il n'est pas assez grand. Bon, c'est bon. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Là, devant est protégé. Je vais me doucher et je vais me préparer. Et après, je vous montre ce que ça donne une fois que je suis préparée. Ok? À tout de suite. Bisous, bisous. Couleur café.